rogner aussi la place de Aaron, qui étant le frère de Moshe, ça sent un peu la magouille, dit quand même. Pourquoi Moshe? Alors qu'évidemment que c'est pas Moshe Rabbeinu qui a choisi Aaron, c'est que le Yvrou qui lui a dit, même s'il n'a pas respecté, il dit pourquoi pas une personne, moi tu me dis de mettre Aaron, qu'est-ce que j'ai chez moi? Mais bon, Korach aussi a été jaloux parce qu'en réalité, Moshe a nommé Elitsaphan Ben Uziel, qui était son cousin à Korach, parce que Korach a un père, qui avait trois frères, et le père de Korach dans la hiérarchie, il y avait Amram, Itzhar, Kehat, et il y avait Amram, je vous le redis, oui, il y avait Amram, Itzhar, Chevron et Uziel, ok? Quatre frères. Amram, c'est le père de Moshe Rabbeinu. Donc, évidemment, il est déjà au top. Après, il y a Itzhar, le père de Korach, qui normalement doit prendre la place. Donc, son fils doit être, si Moshe Rabbeinu est le fils d'Amram, et Moshe Rabbeinu, il est au top, c'est bon. Son poste, il a été pris. Aaron, il est au top, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste Itzhar, Chevron, Uziel. Normalement, c'est le fils de Itzhar qui doit prendre la place. Une place qui se libère. On sait qui est le fils de Itzhar, c'est Korach. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a nommé le fils du quatrième frère, Uziel. Elitsaphan ben Uziel. Elitsaphan ben Uziel, parce que, c'est une très bonne question, mais je pense pas qu'il mérite plus. Mais en tout cas, quand il dit quoi? Moi, on m'a trompé. Moi, on a créé la hiérarchie. Je dois être comme ça. Et donc, il est parti embêter Moshe Rabbeinu. Et il lui a ramené avec 250 hommes, ils étaient en tout 250 en tout avec lui, avec Datan Aviram, On Ben Pelet, et 246 hommes. Ils sont arrivés à Moshe Rabbeinu devant la tente, et ils ont ramené, ils ont commencé à se moquer de lui, et à remettre en question son autorité. Ils ont ramené un talit complètement de bleu azur, et ils lui ont demandé est-ce que ce talit-là doit mettre sur lui les fils de Tzitzit. Et lui, il a répondu, il a dit oui. Alors ils sont moqués de lui, on dit si déjà, on voit que dans la lacha, les massés, que quand on a un talit blanc, entièrement blanc, et qu'on met un fil de Tekhelet, le talit, il est pas tour de Tzitzit, c'est bon, t'as fait la mitzvah. Alors là, il y a un chomer, si on met un truc entièrement bleu azur, à plus fort raison que normalement, on serait pas obligé de mettre Tzitzit. Encore une fois, qu'est-ce que tu vois? Tu me montres comme t'es pas quoi? T'es pas un bon correspondant? Tu es débécile, mon cher Rabbeinu. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il lui a dit quoi? Moshe leur a dit, ok, vous voulez la question, vous voulez pas accepter notre place, et bien demain on va faire une sorte de goral. Vous allez ramener tous des martotes, des encensoirs, et vous allez les planter. Moi aussi je vais ramener, Aaron aussi va ramener, et on verra qui a quelque chose à choisir. On verra. On a comme un grand rond encensoir, et on verra celui qui a quelque chose à choisir. Mais évidemment, Moshe Rabbeinu les réprimande. On dit arrêtez, réveillez-vous, Datan Aviram, Korach, jusqu'à demain vous avez la nuit par conseil. Mais eux en vérité, ils ne veulent rien entendre. Kriti Pasuk, Af lo el eretz zavat halav udvash avihotanu. Vous l'avez, Yudalet. Monsieur Adria, Yudalet. Tant mieux quoi. Un petit peu. Fatigué? Vas-y, non, j'ai dormi, non, ça va. Ah voilà, on se réveille. Ouais. Alors. Aflo, l'eret zavat haravuzvash aviotanu. Même vers une terre de où coule le miel, tu ne nous as pas ramené. Watiten, nanuna halat, sadeve kerem. Et pour l'instant, on n'a rien vu. On n'a pas eu l'héritage des champs, des vignes. Ça veut dire en vérité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand on était en Égypte, qu'est-ce que nous a dit Moshe Rabbeinu? Je vais vous ramener de l'Égypte vers une belle terre. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est sorti. Maintenant, les méraglis vont voter. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme punition? On l'a dit pendant 40 ans dans le désert. Donc, on va mourir ici. Donc, en vérité, ta promesse, elle est en vain. Alors oui, ça a coûté méraglis. Mais ta promesse, elle n'est pas comme on l'a dit. Nous en Égypte, nous qui étions en Égypte, on avait quelle promesse? Qu'on allait quoi? Qu'on allait sortir et aller en Israël? Et pourtant, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Il y a écrit dans le passé d'avant. Bah, Midbaraz, ayez plus pérérem, et vos tombeaux, vous tombez dans ce désert-là. Pendant 40 ans, vous allez tous mourir à part. Aïné, Anashim, Aem, Tenaker, Loen, Alem.
Même si tu venais nous crever les yeux, maintenant, Lona, allez. On ne montrait pas. Il dit en vérité, c'est beau ça. Il dit, même si maintenant tu nous envoyais, même si tu crevais les yeux de ces hommes-là, eh ben, même si tu me disais, allez, monte avec moi, sinon il faut crever les yeux, on a allez, viens, c'est on ne veut plus te voir, mon cher maison. On ne veut plus monter avec toi. Ah, la Shima et Mère, tu dis, voilà, ils ne veulent pas monter avec toi. Même si tu les obliges à monter avec toi en Israël, même si tu leur offres de monter avec toi, même si tu leur crèves les yeux, ils ne monteront pas avec toi. Il dit ça la force. C'est très beau, c'est dit. Il dit pourquoi il dit, ah, t'as vu, tous ces gens-là, ils sont comme ça. Ils n'ont pas envie de monter avec toi. Pourquoi il est pas sur lui-même? Parce que c'est la force d'un homme, ça. Un homme, c'est pour la force. C'est arrivé à quoi? À faire dépendre son malheur d'une autre personne. Toujours. Jamais ils sont le même. Jamais lui, il s'inclut dans le problème. Parce qu'il a envie de trop montrer qu'il n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tous les hommes comme ça? Comment ils ont ça? Ah, je crois que certains. Moi, pas. Par exemple, des fois, il y a une situation qui nous déplaît. Ok. On a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler pour une communauté. On va parler pour des gens. Sans s'inclure dedans. Pour que le H passe. Et qu'en même temps, on est quoi? On est un profit. C'est la ruse de l'homme. Tout le monde fait ça. Tout le monde se plaint aujourd'hui. Mais comment on se plaint? On dit, ah, t'as vu, eux, ils n'aiment pas ça. Ah, eux, ils n'aiment pas ça. Mais toi, et toi, pourquoi tu veux? Toi, parle sur toi-même. Pourquoi j'ai accueilli les autres? Pourquoi je te sers les autres pour dire ton malheur? Parle ton malheur à toi. Va yichar les Moshe Meod. Et là, Moshe Rabbeinu, va yichar les Moshe Meod. Moshe Rabbeinu, il était très souffrant. Il est souffrant de ça. Il est triste de ce qui se passe. Il est nerveux et souffrant. Va yomer el Hachem. Et il dit à Hachem, Al tefen el minichatam. Ne te tourne pas vers leur offrande. Al tefen. Parce qu'on a dit que Moshe Rabbeinu aura dit que demain matin, il leur a dit, ramenez une encens, une mincha, un cadeau à Hachem. Et de là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qui va être le choisi du Kohen. Il dit, je ne veux pas que tu refasses la commandante. Ne reçois rien. Même s'ils ont une petite part quand même. Même si de base, oui, ils auraient dû avoir une part dans les commandantes. Demain, quand ils vont ramener leur mincha, leur offrande en ce soir, al tefen, ne te tourne pas vers leur cadeau. Ne le prends pas. Il dit, Moshe Rabbeinu, Hachem, je n'ai pas emprunté ni monté sur un des ânes de chaque juif. Je n'ai pas profité en vérité de quoi? De aucun de leurs ânes. Même quand je suis parti de Midian en Égypte pour le délivrer. Quand j'ai refait la route depuis Mitro pour revenir en Égypte. Parce que Moshe part d'Égypte, va chez Midian pour Mitro. Il se marie là-bas et après il repart pour le sauver. Il dit même quand j'ai fait cette route-là, j'ai pris un à moi. J'ai pas emprunté de leur caisse. J'ai pas pris un à eux. Je me suis pas servi de la carte bleue. J'ai pas pris la Rolls. Le Uber sur le compte de la synagogue ou ça. Non! Je n'ai rien pris. Et je n'ai pas fait du mal à aucun d'entre eux. Je n'ai fait du mal à aucun d'entre eux. Et regarde comment ils me traitent. Regarde comment ils se comportent avec moi. Ils sont en train de me tuer. Va yomer Moshe el Korach. Et Moshe dit à Korach. Ata vechol alatecha eyu lifnei Hashem ata ve'em va'arom mahar. Demain, soyez là à l'heure. Ramenez vos encensoirs. Et vous allez voir ce qui vous arrive. Ukru ish martato et prenez chacun une encens. Untatem aleem ketoret et mettez son encens, le projet d'encens. Veikraftem lifne Hashem et rapprochez devant Hashem. Chacun sa marta, chacun son bâton dans son soir. Donc il y avait 250 hommes et Moshe et Aaron. Il leur a dit, on va être 252 en tout qui vont approcher quoi? Un soir. 250 avec Korach.
d'un dirham et de Moshe Aaron. Vayekru Ishma Ato. Et là, tout le monde a pris son encensoir. Vayetenu Alehem Esh. Et ils ont mis dessus du feu. Mais Simo Alehem Ketoret. Et ils ont pris de l'encens et dessus. Vayaramdu Petach Oel Moshe. Oel Moel de Moshe Aaron. Et ils sont tenus à la porte d'attente de Moshe et Aaron. Vayakel Alehem Koach. Et il dit en vérité. Vayakel Alehem Koach. Qu'est-ce qu'il avait commencé à faire Koach? Il a commencé à les rassembler. Parce qu'en vérité, Korach, il n'a rien pu faire en vérité dans l'action. Parce que moi, je lui ai répondu directement, viens demain, on verra. Mais il commençait toute la nuit, toute la journée, qu'est-ce qu'il faisait avant? Avant d'arriver en vérité à Nélan, son étudiant Korach, il faisait toute la nuit, il est parti partout. Il a fait le tour des tribus. Il a commencé à les séduire. Il leur a dit, ah, voilà, si vous voulez, Moshe Rabbeinu, ils prennent la grandeur, et vous, vous n'avez rien. Il est parti faire un tour des 12 tribus qu'il a fait, et il a commencé à les rendre fous, à se moquer de Moshe Aaron, à leur remettre la question. Rien! Korach, il n'a pas écouté ce que Moshe. Moshe a dit, attends demain, la nuit par conseil, réfléchis pendant la nuit. Comprends que tu vas mourir, peut-être. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Toute la nuit, il l'a fait, il est parti, et il s'est amusé contre Moshe Rabbeinu. Et il a encore remis en question. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il arrive, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient, et la colonne de nuée, elle se met sur toute l'assemblée, ok? Vaïdaber, Hachem, et Moshe, et Aaron, est mort. Oh là. Et là, Hachem parle à Moshe et à Aaron, et lui dit, Ibadelu mito haïda azot. Séparez-vous, Moshe Aaron. Séparez-vous l'assemblée. Partez vite. Va haler otam kalaga. Je vais les manger en un instant tout de suite, là. Va ypelu al peneem. Et ils sont tombés sur leur face. Ok? C'est genre quoi? Ils sont devenus fous. Ah, d'accord. Va yameru el eloke aruchot. Et ils ont dit, oh Dieu des esprits, Dieu de tous les hommes, Aïchecha dirta, ve'akolat diksof. Est-ce qu'un homme a fauté, donc Korach, et 250 hommes, et tu vas utiliser l'assemblée? Il dit ça en vérité, il dit, toi Hachem qui connais les pensées. Ouais. Moshe dit à Hachem, mais dis-moi toi, t'es pas comme les humains. Les humains, une personne, tu lui as fait du mal, et il ne sait pas qu'il lui a fait du mal dans l'assemblée, qu'est-ce qu'il fait? Que fait un humain? Quand il sait pas. Comme nous en classe, qui a fait la pénis, qui a lancé la craie? Personne ne me dit qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde. Tout le monde prend. Mais toi, Habibi, Hachem, tu connais les pensées des hommes. Ah, tu sais très bien qui a fait ça. C'est Korach. Alors quoi, tu vas aider tout le monde? Tu me dis partez de toute l'assemblée? Non, dis-nous, pars de toi des 50 hommes, mais pas de tout le monde. Ne tue pas tout le monde. Il dit, t'inquiète pas, je brouille, t'inquiète pas, je sais très bien qu'il a fauté. Quand je vous dis vous séparer, j'ai pas tué tout le monde. J'ai dit je tue tout le monde parce que je vous dis séparez-vous de l'assemblée, partez de ces gens-là. Mais t'inquiète pas, je sais qu'il va être brûlé. Je sais qu'il va être mangé. Que ceux qui ont fauté. Vaïdaber, Hachem et Moshe les morts. Hachem, il dit à Moshe en disant, Daber et Laïda, les morts, parle à l'assemblée en disant, et à Aloumisaviv, ceux qui n'ont pas fauté, pareil, séparez-vous, partez du côté du quartier de Korach. Partez, ça va péter. Partez. Donc, quel est le quartier de Korach, l'assemblée ici, ceux qui étaient proches de Korach, partez parce que ça va péter là. Korach, ça va péter. Mais Yaakov, Moshe se lève, va yeller et Datan Aviram, et il va vers Datan vers Aviram. Il veut encore leur dire, allez, faites Yeshua. Rabotai, allez, tout le monde est parti ici. Tout le monde s'est séparé de vous. C'est qu'il y a un problème. C'est que le manger va faire quelque chose. Il va vous tuer.
réveillez-vous. Veillez les roues à Harazitni Israël. Il a même ramené tous les vieux, tous les sages assemblés pour un peu les remettre en question à Botaï. Réveillez-vous. Vaïdaber El Aïda les morts. Et il a dit à toute l'assemblée en disant Suruna me'alo ale anashim areshaim aele. Écartez-vous de la tente de ces gens-là mauvais. Ve'alti gubechola shirlaem. Ne touchez à rien ce qui leur appartient. Pen tisafu bechorotam. De peur que vous allez être mêlés à leur faute. Va'yaralu me'al mishkan korah atan ve'aviram. Misaviv. Udatan ve'aviram yatsouli tsavim peta haolem. Et tout le monde s'est barré de la tente de Datan ve'aviram. Et Datan ve'aviram, eux, ils ont vu tout le monde qui part. Ils ont vu que c'est désert. Ils ont vu qu'il n'y a pas de bruit. Ils ont vu que ça a pété. Et ils arrivent, ils sortent de la tente avec leur bâton. Et ils regardent Moshe comme ça. Avec la tête fière. La tête de Gava. La tête de personne qui a pas peur. Avec leurs femmes, leurs enfants. J'ai pas peur. C'est dur parce qu'en vérité. Que même dans ce monde-là, et dans le monde là-haut, on ne punit pas les enfants. Mais là, ils vont être punis. Ils ont rien fait, les enfants. Jure. Même eux vont être punis. Vayomer Moshe, et Moshe leur a dit, Bezot Tediroun, avec ce qui va se passer maintenant, vous allez savoir, qui Hachem, chez la Hani, la Rasset, que la Mahasimaele, que Hachem, c'est lui qui m'a envoyé faire tout ce que je fais. C'est lui qui m'a dit mettre Aaron Cohen. C'est lui qui m'a dit être patron. Moi, je n'ai rien fait. Kilo Malki, Kilo Milibi. C'est pas moi avec mon cœur que j'ai voulu faire ça. Arrêtez. Im Kemot Kola Adam Yemoutounele. Et il dit, Im Kemot Kola Adam Yemoutounele. Il dit, si cela meurt comme meurt tout homme, Oufkoudat kola adam, il paquet d'aléem. Loach, monsieur Nakhani. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. C'est hier, c'est beau. Il dit si vraiment c'est la vérité, que moi je fais tout de mon cœur, qu'Hachem me tue aussi, qu'Hachem me prend aussi. Mais j'ai dit, vous voyez bien que ce qui va vous arriver, c'est moi ou c'est pas moi qui ai fait. Et si maintenant c'est moi qui ai fait aussi, c'est moi qui avais une intention de vouloir être le patron, qu'Hachem me prenne aussi, que je meure comme vous. Mais si Hachem il crée un prodige, et que le sol il s'ouvre, ou bala otam, et vous avale, v'être que la chair la haine, tout ce que vous avez, v'yardou chaim sheola, et que vous descendrez dans le monde en bas vivant, et là, vous serez Kinaratsu Anashimaele. Moshe parle à tout le monde, il dit, allez, si ma mâche, ce que j'ai fait, c'est la vérité, j'ai fait avec mon ensemble, avec mon cœur, avec mon intérêt personnel, qu'Hachem me tue. Mais si c'est vrai, vous verrez qu'une terre va s'ouvrir et qu'ils vont être ensevelis. Et là, vous verrez en vérité que il va y avoir une mort qui n'a encore jamais existé. Il va y avoir une mort qui n'a jamais existé. Vous verrez que la bouche qui a été créée le sixième jour, les six jours de la création, elle va s'ouvrir. Et sinon, que Hachem me tue. Et ce fut quand Moshe Rabbeinu eut fini de parler de ce qu'il a dit, de se justifier et de dire qu'il mourra, c'est vrai. Et la terre, elle s'est kibaka. Il y a eu un tremblement de terre. Elle s'est ouverte. Vatiftah a aretz et pia. La terre a bougé et elle a ouvert sa bouche. Vativla otam, elle les a avalés. Ouet batem, leur maison. Ouet kola adam, asher de korah. Tous les humains qui ont été en contact avec korah. Ouet kola rehouch et tout leur héritage. Voyez redou et ils sont descendus. Em, vechol asher lahem. Haim sheola. Ils sont descendus dans l'abîme, vivants. Vivants, ils sont morts. Et la terre, elle s'est recouverte sur eux. C'est comme si en vérité, il y avait eu des gens, et maintenant il n'y en a plus. Et tous les juifs qui étaient autour,
Nassou les colams. Ils se sont enfuis. Il y a du bruit. Qui a mou? Ils vont dire quoi? Pentiv la haine ou arès? De peur que la terre va nous. Va nous. Ensevelir. Mais esh yatsa me'at Hashem. Et il y a un feu qui est sorti en plus. Vatohad hamishim mataim ish. Makrivak toret. Et il a brûlé les 250 hommes qui ont apporté l'encensoir. Je fais compris. En plus, il y avait un feu. Il y a eu le feu et la terre. Il y a eu le feu et la terre. Folie, hein. On finit. Ouais, il y avait Hachem, Moshe est mort. Et Hachem dit à Moshe en disant, et mort Elazar, ben Aaron Cohen, va parler à Elazar, le fils d'Aaron Cohen. Où il y a Rem et Tamartot, Malasherefa, qui va enlever tous les encensoirs du feu. Et qui va éteindre ce feu-là parce qu'il est saint. Et Tamartot, Ahataim, Aele, Otam, qu'il aille récupérer toutes ses encens. Veasu, Otam, Rikoué, Parim, Tsipoula, Mesbéar. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire en vérité. On va en faire en vérité quoi? On va en faire une plaque pour revêtement du Mizbéach. Qui écrit Boum Lifné Hachem. Parce que ils ont apporté devant Hachem ça. Vayagdashou. Et ils ont enchivié. Veyou Léot Lifné Israël. Et ce sera un signe pour les juifs que voilà. Voilà ce qui arrive à celui qui faute. Vayikach et Lazar Kohen et Mahler Ochet. Et voici que Lazar Cohen a pris les encensoirs. Hachem écrivoit ce gros film que ceux qui m'ont été brûlés ont approché. Va y rakeum si pour la misbéar. Et ils l'ont fondu. Et ils en ont fait quoi? Une plaque pour le misbéar. Zikaron, il est Israël. Ce sera un souvenir pour les juifs. Les maral, Hacher, lo yikrav, ishdar, Hacher, lo misdera, Aaron, ou le akshir. Pour qu'une personne qui n'est pas en Aaron comprenne qu'il n'a pas le droit d'apporter un encens. C'est pas lui. Et ne pas être comme Korah. Veloy et Korah. Apprends à ne pas être comme Korah. Regarde ce qui arrive à Korah. Point. Arrive, regarde ce qui arrive à Korah. Regarde ce qui arrive à Korah quand il fait des bêtises. Tout le monde meurt. Vaïlo, nous, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le peuple va commencer à protester. Vaïlo, nous, Kolada, Ben Israël, Marwan, Moshe, Baron. C'est ouf. Korah, il se fait avoir. Les gens qui apportent se font avoir. Et là, qu'on dit le peuple, ici, dit. Moshe il a prié pour le peuple, il a dit non, Hachem, tu n'as pas juste le monde. Et bien, qu'est-ce qu'ils disent? C'est vous qui avez dû croire. Ata Hamitem et Aram Hachem. C'est vous les tueurs du peuple. Dès qu'il y a un problème, vous tuez les gens. Et out they explain. C'est de la folie. Hachem, il envoie une punition pour le prévenir. Pour mon. Et il y a une bêtise. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à quoi? À se plaindre de ça. Vaïe, Béakaal, Aïda, la Moshe, va à Rome, va Yifnou, elle m'a venu qui saou, elle m'a dit, Hachem. Et là, Moshe, il va au Mishkan, il dit, il y a un problème, encore, il va raconter pour lui, il va dire, Hachem, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on règle le problème. Même ça, il arrive à se plaindre. Au prochain. Demain, à la suite. Azak.